à FASPA, Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. Nous sommes là pour la journée internationale contre les disparitions forcées. On va parler particulièrement du Sahara occidental et de Djibouti. Ce sont des pays dont on parle très rarement. Attendez, on va essayer de la télévision, s'il vous plaît. La disparition forcée au Sahara occidental, elle a été due à l'invasion marocaine en 1975 de l'armée marocaine dans le territoire qui était une ancienne colonie espagnole, et ça a eu lieu avec des milliers de disparitions. Vous avez derrière vous des photos parmi les centaines de disparus qui ont disparu, aussi bien des mineurs que des majeurs, que des hommes et des femmes. Donc le régime marocain n'a pas répondu sur les questions qui lui ont été posées. Le régime marocain a ratifié la Convention internationale sur la disparition, mais il n'a pas établi le rapport. Or, quand on ratifie, c'est pas seulement pour être sur une liste, c'est également pour faire des rapports et donner la preuve qu'on est d'accord et qu'on ne fera plus la même chose et qu'on apportera la justice. Dans la mesure où jamais les responsables, les exactions, les disparitions forcées au Maroc, dans la mesure où il n'y a eu jamais des procès, eh bien, la justice a continué, les disparitions ont continué non seulement au Sahara, mais aussi au Maroc. Et aussi, il y a le 25 décembre 2005, il y a 15 jeunes sahraouis qui sont partis en direction des Canaries pour témoigner de l'Intifada pacifique. Et ces jeunes-là, ils ont disparu, arrêtés par la marine marocaine. Donc, quand il n'y a pas justice, il y a récidive. C'est pour ça que c'est important, cette convention internationale contre les disparitions. Mais il y a également les disparitions à Djibouti dont je voulais vous parler, et pour lesquelles ici, il y a des personnes qui témoignent, des disparitions sur ce petit État, un petit État qui est très important du point de vue géostratégique. C'est pour ça qu'il y a 5 bases militaires sur un État qui est deux fois comme l'île de France, pour vous dire. Eh bien, sur cet État, il y a eu des centaines de disparitions, et dernièrement, le dernier en date, c'est au mois d'août 2019, qu'il a eu lieu, 2019, il a eu lieu cette disparition à Djibouti. Donc, la France, elle est dans les deux cas, le Sahara occidental comme le Djibouti, la France est dans le coup de soutenir des régimes de dictature qui font des exactions, qui font des liquidations sommaires, des arrestations, des procès inéquitables, et la France est absolument muette, aussi bien sur ce qui se passe à Djibouti, puisqu'il y a même eu un juge français qui a été assassiné à Djibouti, et que les autorités françaises ont déjà dit à sa veuve, la nuit même, alors qu'il n'y avait pas eu d'enquête, ils ont été dire à sa veuve que ce juge, il s'était suicidé. Donc vous voyez la collusion de la France dans ces deux. On est de chaque côté de l'Afrique, mais également au centre, la France, elle est au Cameroun, dans beaucoup d'autres pays, il y a eu des disparitions, et la France, elle a été complice de tout ça. Et moi, en tant que Français, je ne veux pas qu'on fasse une telle chose en mon nom. C'est pour ça que notre association, elle lutte contre les impunités et contre les agissements de la France en Afrique. Voilà. Merci beaucoup. C'est un peu brouillon. Je vais parler aussi au nom de l'Amicale panafricaine, qui regroupe les démocrates du Cameroun, du Tchad, du Mali, du Djibouti, au Centrafrique, du Togo, du Cameroun. Donc d'abord je voulais m'associer à la demande de vérité pour Mehdi Bemba, qui est la disparition la plus emblématique que nous connaissons depuis 1965. Et là où nous sommes, on doit exiger, on peut exiger, que toutes les forces démocratiques doivent exiger que la vérité soit faite pour cette disparition. Parce que franchement, c'est la disparition la plus emblématique de démocrates, on peut dire, de ce 20e progressiste de ce 20e siècle. Et je voudrais aussi m'associer à toutes les disparues, solidarité à tous les disparus, et que pour que justice soit faite pour tous les disparus. Et mes amis de l'Amicale panafricaine m'ont demandé de dire aussi qu'au Cameroun, au Tchad,
au Togo, en Centrafrique, au Mali, il y a des disparitions que les gens n'arrivent même pas à recenser. C'est-à-dire qu'il y a un degré de méconnaissance de tout ce qui se passe, mais les disparitions sont quotidiennes. Je terminerai, je ne veux pas monopoliser la parole, en vous parlant un peu de Djibouti. Djibouti, petit pays, 23 000 km², c'est le porte-avions. C'est le porte-avions des bases militaires mondiales. Il y a une base militaire française, base militaire américaine, base militaire chinoise. Et pourtant, il y a des disparitions depuis 1977. Depuis la date de l'indépendance, on assiste à des centaines de disparitions dans ce pays-là. Sans parler des tortures, des massacres. C'est ça. Bon, on est un peu passé dans le pas. Deux personnes